coup là. Je peux baisser un tout petit peu. Il y a un spot. Merci. Voilà, je peux dire que je vais mettre une aide. Bien. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Petit comité, mais grand entretien quand même. Et surtout une initiative nouvelle, comme quoi parfois souvent d'ailleurs. Et celle-ci, qui démarre modestement, mais je vous en remercie d'être là, eh bien, aura vocation, j'en suis sûr, à être pérennisée. Un auteur, un lecteur, parfois même, on le verra tout à l'heure, un auteur et deux lecteurs, pour une petite heure et demie, si vous en êtes d'accord, d'entretien. Avec certains de nos invités, du roman, de la bande dessinée, de l'essai. Jean-Marc Rochette, bonjour. Bienvenue, et on vous met en présence d'Edmond Asselignan, que vous avez déjà rencontré à plusieurs reprises, membre du comité de lecture du Grand Bivouac. On entendra ensuite Olivier Weber, David Delomeau, Marie Wittenbach et Alexandre Costa, non, je pense qu'il s'appelle Rémi. Voilà, petit changement de dernière minute. Jean-Marc Rochette, on ne vous présente plus, mais je vais quand même dire que vous êtes notamment connu pour la série Transpersonnage, Aile froide, bien sûr, Le loup chez Casterman, Le loup qui résonne de manière un peu particulière ici, où, comme vous le savez, les tensions sont nombreuses en Savoie et ailleurs, et c'est la rencontre intense, vigoureuse, au final passionnée, mais frontale, entre un berger des écrins et un loup, donc un problème d'actualité. Edmond, allons-y, question franche, qu'est-ce qui te plaît tant chez Jean-Marc Rochette? Tu prends un micro, s'il te plaît. Alors, en deux mots. Oui, en deux mots. Alors, d'une part, moi, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert. D'ailleurs, j'ai dit à Jean-Marc hier que je suis allé à la médiathèque pour découvrir Transpersonnage, que je ne connaissais pas. Et puis ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est que bon, j'ai la prétention de faire un peu de peinture, de façon très modeste, de l'aquarelle, etc. Donc, quand j'ai découvert ces deux livres, donc j'ai été vraiment plus qu'intéressé par le travail de Jean-Marc Rochette. Et voilà. Et ce que j'ai bien aimé, c'est d'une part toute cette partie figurative à travers les BD et son travail personnel aussi concernant, enfin en tant que peintre, sur une approche de la montagne. Je peins aussi un peu la montagne. Enfin, de façon, comme beaucoup d'amateurs, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui peignent. C'est vachement bien. Donc des atomes crochus. Voilà, des atomes crochus. Alors. Donc ça a été une découverte pour moi. Alors, question à poser à Jean-Marc Rochette. Alors moi. Jean-Marc, j'aimerais qu'on puisse qu'on aborde un peu cet entretien sous trois démarches différentes, trois formes. La première, c'est comment se construit déjà un livre comme Le loup. Micro. Le loup ou Aile froide. D'une part, on en a un petit peu parlé, mais je crois qu'il y a des choses à dire concernant l'histoire, le texte. Hein, c'est des choses sur lesquelles je pense que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Dans un deuxième temps, éventuellement, vos projets à venir. Et dans un troisième temps, si on a le temps et on le prendra, c'est en ce qui concerne un sujet d'actualité. Aujourd'hui, la liberté d'expression. Alors bon, on va dire c'est bateau, c'est à la mode, etc. Mais je pense qu'éventuellement, dans votre travail, il y a peut-être des choses à faire, des choses que vous faites déjà aussi, peut-être. À travers naturellement Charlie Hebdo, etc. Il tombe sans arrêt. Voilà. Alors prenons les choses dans l'ordre. Alors dans l'ordre. Un livre. Voilà. Bon, vous avez compris. Hein, ouais, non, livres. J'ai compris. Ouais, à peu près. Ouais. Et ça marche là. Ok. En fait, un livre. On va prendre Le loup, Aile froide ou ce que je suis en train de faire qui s'appelle La dernière reine, mon dernier travail. Enfin, ça commence par une idée. Pour moi, ça commence par une idée.
Dans le cas du loup, c'est donc un berger qui est passé derrière chez moi et qui m'a raconté une attaque de loup. Donc, et là, je laisse développer un peu mon imaginaire. Donc, je fais une première. En fait, j'écris là, à ce moment-là. Je c'est pas du dessin. C'est des, je mets mes idées en fait en place. Ce que j'appelle des. Et après, j'essaye de relier tous ces plots narratifs que j'ai au milieu. Alors, sur le loup, comme c'est une nouvelle, c'est assez simple. Sur la dernière reine, par exemple, c'est un sujet beaucoup plus compliqué, donc ça prend plus de temps, mais c'est un système de scénariste américain, ça. C'est-à-dire que si on commence par « il était une fois » et on commence à... Là, on n'y arrive pas. Mais par contre, c'est un homme, il rencontre ça, il a fait ci, il a fait ça, et donc ça fait une espèce de... Et là, j'ai un espèce de canevas narratif, je vois à peu près où c'est, mais je sais qu'il y a plein d'incertitudes dans ce récit-là. Mais j'en ai pas peur, au contraire, c'est bien. Et là, j'attaque le storyboard. Je commence à faire la bande dessinée, le même dessiné, avec les dialogues. Et c'est là qu'apparaît, où je vais combler tous ces manques entre ces pôles narratifs. Et c'est là où des miracles arrivent. Par exemple, dans le ce que je suis en train de faire, je cherchais un rôle féminin très fort. Enfin, il fallait que j'aie un personnage féminin. Et alors là, il y a tout un travail souvent, j'imagine que les romanciers ou les scénaristes, c'est de recherche en fait. C'est-à-dire que je vais sur Google et je cherche et jusqu'à un moment, je trouve un modèle de femme à ce moment-là et c'est un miracle. C'est le miracle, c'est, c'est l'histoire, d'un seul coup elle arrive parce que l'homme et la femme, je les ai, tous les deux, ça fonctionne. Et là, ça se met à marcher. Et donc je vais écrire toute mon histoire, là je fais tout le storyboard. Avec quelquefois des problèmes étonnants. Par exemple, j'avais une scène qui pour moi était centrale, et alors je commence à la dessiner, et elle ne marche pas. Quoi. Rapidement, je m'aperçois qu'elle ne marche pas. Et souvent, dans ces cas-là, le problème se résout d'une manière très simple. C'est-à-dire que l'attaque de scène qui n'était pas mauvaise. J'ai changé l'attaque de scène. Dans ce cas-là, ça commençait avec quelqu'un qui chantait, dans l'exemple, et en fait, il fallait qu'il chante à la fin. Et toute ma scène se mettait à marcher, alors que la petite erreur était faible. Et après, j'ai toute mon histoire. Bon, admettons qu'elle est faite, et là, je suis très rassuré. Là, je vais le montrer à mon éditeur. Donc là, il voit le storyboard, il voit toute l'histoire. Là, on discute d'argent, là, tout de suite. Ça, c'est le moment le plus important, là. Normal, ouais. Et donc, il signe, la plupart du temps. Et là, je commence à faire le travail final de la bande dessinée. C'est-à-dire que je vais passer le storyboard qui est très succinct. Pour moi, qui est clair, mais qui est succinct, je commence à dessiner. Donc, gros travail de documentation, gros travail de finition, d'ancrage. Et là, l'histoire se resserre parce que des choses qui marchent, par exemple, avec un dessin rapide, un peu storyboardé, ne fonctionnent pas avec un dessin réaliste. Là, par exemple, dans la première scène, le gamin, qui est un gamin un peu sanguin, se bat et il tape l'enfant. Storyboard, ça marchait bien. Et j'ai vu qu'en le dessin, il ne fallait pas vous voyez, c'est des petites subtilités comme ça qui marcheront sur un dessin rapide et qui marcheront plus sur un dessin plus réaliste. D'accord. Parce que le personnage va se dire, oh, mais il est vraiment antipathique, ce gosse, etc. Et puis après, une fois que ça c'est fait, lettrage et couleur. Alors, dans le cas, je peux prendre une coloriste. Dans le cas du loup, c'est une coloriste. Et là, je ferai tout l'intégralité, c'est-à-dire scénario, dessin, couleur. Tout le livre est fini et après, on le propose au. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Voilà, c'est okay, très bien. C'est un travail de mosaïque, en fait, au début. Mmh. Voilà, c'est ça. Ouais. Un travail de succession. Et il faut accepter les chaos. Très pragmatique, en fait. Mmh. Oui, je le suis. Ouais. Et il faut accepter les zones non. De mystère, en fait, parce qu'elles se combleront et normalement. Si l'histoire est bonne, ça se fait de soi-même. Oui, parce que Elfroid, c'est quand même 280 pages. Ça fait à peu près 180 planches, peut-être, non ? Non, ça fait 250-260 planches, Elfroid. Et celui que je fais à peu près la même taille. Quoi. Mmh. Alors, justement, par rapport... Et, oui, à ce qui concerne la couleur... On a évoqué hier un peu le bleu, ouais. Mais finalement, bon, c'est vrai que dans le loup, il y a une dominante blanc et bleu, mm-hmm. avec toujours ce fameux bleu qui est exceptionnel dans les écrins. Mm-hmm. Enfin, c'est ce que vous dites. Hein. je suis chauvin, mais c'est normal. Oui, ouais, vous êtes chauvin, ouais. Mais c'est bien de l'être. Ce bleu, ça a été quand même une recherche pour vous, parce que les débuts... L'anecdote amusante, c'est que sur Elfroid, c'est de la couleur... Hop là, moi aussi, ça, moi c'est dans l'autre sens que ça monte. Hergé, moi je travaille dans la même maison d'édition que Hergé, Casterman. Mmh. Voilà. Mmh. Et Hergé avait inventé un système qui s'appelle les bleus. Là, je vous parle de technique encore, de couleur. C'est-à-dire qu'on fait du noir, le dessin est noir, on le donne à son éditeur qui nous ramène
ce dessin noir sur un rhodoïde transparent. On a du papier en dessous et on fait sa couleur. Comme ça, le noir reste noir pur et on fait la couleur. Ça, c'est la technique que Hergé a inventée, quoi. Donc, ce n'est pas une couleur directe sur l'original, mais c'est quand même du manuel, en fait. Et Elfroid a été fait comme ça, c'est-à-dire avec ce système-là. Et mon éditeur m'a dit, c'est la dernière fois, parce que ça nous coûte un bras. Parce que maintenant, parce qu'il faut qu'il fasse le tirage, après, il faut qu'on fasse un flashage, alors que les systèmes numériques, maintenant, sont beaucoup plus moins onéreux. Enfin, il n'a pas regressé, hein, vu ce qu'on a vendu, mais en tout cas, c'est comme ça que ça... Et pour le bleu, j'arrive au bleu, donc je fais le bleu. Il y a un dessinateur, peu importe, je ne le citerai pas, il me regarde et il me dit... Dis donc, il a pas eu un problème. Il a pas eu un problème dans ton Elfroid là, le bleu, franchement. Enfin, lui, il est danger. Je lui dis non, mais toi, c'est pas grave. Toi, t'as un bleu qui, c'est pas un bleu que vous avez sur la tête. Ici, les bleus peuvent être comme ça. Voilà. Donc, ce fameux bleu, au départ, ils ont cru que c'était une erreur d'impression. Mais c'était bien voulu. En fait, j'ai été chercher un pastel de chez Sennelier. Et j'ai cherché, jusqu'à ce que je trouve un pastel suffisamment puissant pour... alors évidemment, ça donne un bleu qui tabasse, quoi. Et en ce qui concerne aussi le mouvement, parce que bon, c'est une question qui vous a été posée hier soir, mais j'ai trouvé intéressant, à la salle de Mestre, ce mouvement, et l'anecdote est sympa, est intéressante en même temps, c'est que, bon, moi je la connaissais, parce que j'ai un peu travaillé hein, quand même, c'est que vous avez travaillé... Vous étiez pigiste dessinateur à l'équipe. Voilà, ouais. Et c'est là que vous... L'histoire, c'est que c'est le début des magnétoscopes. Ouais. Donc j'enregistrais sur Téléfoot, avec toute la bande à Téléfoot, là. Et puis je choisissais le plus beau but, quoi. Donc après, je faisais image par image, et je m'arrêtais, tac, tac, image par image, je dessinais. Alors, il fallait aller vite, parce que à l'époque, les fax, c'est une histoire, les plus jeunes ne peuvent pas savoir, mais à une époque, le fax n'existait pas, quoi. Et donc, il y avait un coursier qui venait avec la... et qui récupérait mon dessin, et le lendemain matin, ça passait dans l'équipe. L'équipe, à l'époque, il vendait à 600 000 exemplaires. Donc, grosse pression, parce que le foot, c'est très populaire, tout le monde avait vu le but, pas question d'être approximatif quoi, sur ces dessins. Et alors, au début, j'étais trop précis. Je dessinais les muscles et tout ça, et je me suis vite aperçu que ça ne fonctionnait pas au niveau de ce que vous parlez, du mouvement. Quoi. Et à un moment, j'ai mis, parce que ça a duré quand même 5-6 ans, cette histoire. Et à la fin, j'avais vraiment trouvé le bon tempo quoi, pour le personnage. Donc, je faisais du rugby, je faisais tout ça. Quoi. Et pour l'anecdote. Le premier dessin, c'est quoi le premier dessin ? Le premier dessin, je crois que c'était un but de Tigana. Ah bon, je croyais que c'était Zidane, non ? Ah non, non. Zidane est arrivé après. Et c'était Zidane a dû commencer à. Non, au début des années 90, à Cannes. Donc c'était plutôt là, quoi. Et alors, finalement, l'anecdote, il y a un moment, j'étais devenu trop cher. Et donc, ils ont voulu me remplacer, quoi. Ils m'ont dit, ouais, Rochette, tout ça. Et ils n'ont jamais trouvé, en fait. C'était pas si simple de faire simple, en fait. Et donc, ça s'est terminé. Ça s'est terminé, ouais. Il n'y en a plus, quoi. Alors, Edmond. Oui. Allons-y. Il te reste peu de temps. C'est vrai ? Mais oui. Ah ouais, je suis bavard. Hein. Non, pas du tout. Alors, moi, j'aimerais revenir rapidement... Surtout le micro, Edmond. Sur Elfroid. Ouais. Finalement, bon, c'est un peu bateau, ce que je veux dire. C'est un peu autobiographique. Enfin, c'est plus qu'un peu autobiographique. Mais, bon, on se rend compte toutes ces histoires. Enfin, c'est quand même une jeunesse un peu bousculée, hein, à travers une certaine indépendance, une certaine rébellion. Ouais. Une mère aussi que... Sans la rejeter, c'est assez difficile. Avec les copains qui sont là, c'est la découverte de la montagne. Et ce qui m'a surpris, et puis en même temps, je trouve ça agréable, c'est que le bouquin, au début, c'est à ma mère. Ah ouais. Alors que les rapports, a priori, oui, n'ont bah, pas toujours été faciles. Oui, oui, ben tel comment les chats ne font pas des chiens. Hein. Ouais. Donc, enfin, on touche l'intime, là. D'abord, ma mère, pour parler d'elle, elle a perdu son mari pendant la guerre d'Algérie, donc ça commence assez mal. Et après, c'était une femme qui avait du caractère, moi aussi, point à la ligne, quoi. D'accord. Il nous reste combien de temps, là ? Très peu. On parle un peu de la liberté d'expression. Alors, j'aimerais savoir si, éventuellement, dans votre travail, il est possible... Je pense que oui, mais enfin bon, de s'engager. Ah oui, ben oui, c'est, oui, c'est la base. Oui. Alors justement, dans le travail que vous avez fait, ou le travail que vous feriez éventuellement, que vous allez faire, est-ce qu'il y a un engagement par rapport à cette
fameuse liberté d'expression qui aujourd'hui est mise à mal, hein, avec tous les derniers événements, etc. Mmh. Et à travers la BD, éventuellement, travailler Charlie Hebdo, ça vous a jamais tenté ou intéressé ou autre chose, par exemple ? Ben, Charlie Hebdo, il y a Sigolène Vincent qui était au jour du massacre. Oui. Elle y était, c'est, enfin, et elle m'avait proposé, ça faisait des moments qu'elle me proposait d'y aller, quoi. Et donc, je lui disais, ouais, mais moi, tu sais, je suis surtout un. Je suis pas un dessinateur politique, je suis surtout un dessinateur romanesque, on va dire. Mm-hmm. Mais en plus, moi, je pense que mon dessin est encore plus violent que les. Graphiquement, déjà. Quand je fais du dessin, c'est très violent. Ils ont un dessin qui est quand même atténué par le dessin. Moi, j'ai un trait qui est comme ça, quoi. Et donc, j'y suis pas allé, quoi, à cette réunion, quoi. Et. Charlie Hebdo, j'ai été élevé par ça, moi. Reiser, Wolinski, c'est un copain. Ouais, enfin, bon, je sais pas quoi. C'est sûr qu'il faut. Il faut pas lever le pied, quoi. Mais malheureusement, on le lève. On le lève de fait, quoi. Ça a changé complètement, quoi. Ouais. Ils font attention, quoi. C'est une menace qui existe, qui s'est passée. Ça. Ouais, mais c'est des menaces sur lesquelles il ne faut pas céder quand même. Ouais, bien sûr, il ne faut pas céder. C'est facile à dire, hein, mais à vie, c'est autre chose. Il s'empêche que c'est plus difficile de dessiner ça maintenant qu'avant. Avant, moi, j'ai dessiné des trucs, je les dessinerai toujours, mais c'est autre chose. Maintenant, tu le sais, tu sais ce que tu risques. Ouais. Et tu es bien le seul à le risquer. Enfin, c'est un risque physique. Il ne faut pas dire que ce n'est pas vrai. Et ce qui s'est passé, enfin, je ne sais pas, c'est l'horreur absolue. J'en ai entendu parler là. Mais bon, pour parler de ça, ouais, on peut toujours, il faudrait. Moi, c'est pas mon sujet. Hein, dans mes bandes dessinées, ça serait complètement absurde. Mais s'il me demandait de bosser à Charlie, là, il me demande pas. Moi, j'ai un copain qui bosse, Philippe Villemin, par exemple. Mmh. Avant, il bossait à l'Écho. Maintenant, il travaille. Moi, je lis pas trop Charlie, mais je sais qu'il y est dedans. Je sais pas ce qu'il va faire. Je pense que Philippe, par exemple, il a aucune espèce de frein à main, lui. Ah oui. Mais à aucun point de vue. Philippe, vous voyez qui c'est dans Philippe Villemin, non? Oui, ouais. Oui. C'est un type qui peut dessiner tout et n'importe quoi. Mais ce qu'on dessinait dans les années 80 et ce qu'on dessine maintenant, il y a eu une perte. C'est indéniable. Hein. Oui. C'est vrai qu'il y a eu une perte. Je veux dire. Dernière question. Du coup, finalement, moi, ça me. Du coup, ça m'amène à. À une remarque de Lançon dans son bouquin Lambeau, là, où à un moment il dit, bon, on s'exprime, on parle pour tout, mais finalement, lui, il se permet de dire, moi, je préfère perfectionner mon silence. Je trouve que, quelque part, c'est une façon de se mettre en retrait, mais en même temps, c'est fort. C'est-à-dire qu'on parle pour tout, mais il est important peut-être de s'exprimer pour des choses qui en valent la peine et puis qui peuvent porter. Enfin, moi, dans mon cas, à mon âge, j'ai fait le tri de ce que je devais dire. Je peux pas. Mon sujet, c'est l'écologie, on va dire. C'est la nature, c'est un rapport au monde. C'est une liberté de penser. Dans le dernier que j'ai fait, je pense que le personnage de La Dernière Reine, pour moi, est le prototype même de l'homme de liberté, quoi, de montagnard de liberté, avec une femme qui, elle, représente le proto-féminisme à se pousser à son extrême. Donc c'est des choses qui m'intéressent et je me focalise là-dessus. C'est sûr que je peux pas... D'accord. Moi, j'ai terminé. J'ai plein de questions encore, mais bon... Bien sûr. En tous les cas, je veux dire que... C'est un exercice un peu difficile, non, mais... C'est un peu traumatisant, presque. Pas du tout, mais... Non, mais je vais quand même terminer et dire que c'est vrai, on a eu beaucoup de plaisir à vous avoir, enfin, personnellement, mais pas le seul. D'une part, par l'intervention d'hier soir, avec le film avec votre collègue, d'ailleurs, je lui ai dit que je m'étais régalé. Et puis même, bon, un petit entretien. Et préciser que finalement, la BD a tout à fait sa place. Bon, c'est pas nouveau, mais cette année, on l'a mis un peu à l'honneur au Grand Bivouac et à continuer dans nos interventions, je dirais, littéraires, eh ben, on se reverra, sans prétention. Merci en tous les cas. Hein. En tout cas, Jean-Marc Rochette, je vais en rajouter une toute petite, mais vous dites, ça m'a étonné, enfin,
Vous dites, vous levez le pied, on lève un peu le pied, on est un peu plus prudent. Mmh. Et vous sortez, vous avez publié Le Loup. Jean-Michel Bernard, qui sort des films sur Le Loup à des manifestations d'éleveurs ovins, c'est vrai que Le Loup n'est pas innocent, votre BD n'est pas innocente. Non, mais c'est sûr que Le Loup, voilà. c'est un sujet... c'est un sujet, disons... Qu'elle soit dans les écrins ou en Savoie, voyez. Mais là, on parlait de l'autre sujet qui, lui, est carrément plus dangereux, quoi. Je suis bien d'accord. Mais il n'empêche que... Parce que les éleveurs... bon, moi, j'ai envie de tout... Avant qu'un éleveur en arrive à... C'est pas de mal à veille, hein, quand même. Merci, Jean-Marc. Merci, Edmond. Merci. Puis on va... Jean-Marc, bon retour aussi, parce que je crois que vous... C'est aussi parce qu'on était pressé par le temps et... Vous devez rentrer chez vous. Bien. Alors, on continue cet exercice avec Olivier Weber, grand reporter, écrivain, réalisateur, pour deux ouvrages de la rentrée littéraire et donc deux lecteurs. Alors, d'abord avec Marie-Rose Silvestrone pour L'arrière-pays. Alors, on va refaire comme à la télé. On va chercher L'arrière-pays qui n'est pas... Qui est là ? Voilà. Bonjour. Bonjour Marie-Rose. Bonjour. Alors, et ensuite nous parlerons avec toi Olivier de, si je t'oublie, Kurdistan. L'arrière-pays chez Kalman Levy, ou l'itinéraire d'un jeune berger qui découvre et explore... en descendant de sa montagne, certaines réalités de la Côte d'Azur qui ne sont pas toujours aussi belles que les plages de Méditerranée. Marie-Rose, en quoi cet arrière-pays vous aurait-il conquis, en deux mots ? Alors l'arrière-pays m'a surpris et m'a intéressée, évidemment, parce que je connaissais Olivier Weber surtout pour ses voyages, ses grands espaces, et c'est tout ce qui nous a fait apprécier par le passé. Et puis finalement, là, on se retrouve dans un roman qui est prenant et où il nous met en scène un pays proche, qui est l'arrière-pays, le pays niçois, qui n'est jamais nommé, mais qu'on devine très facilement. Nice, Monaco peut-être même, puisque vous parlez du rocher. Et puis là, cette côte d'Azur qui borde, qui est un peu plus bas que l'arrière-pays, et qui ne nous surprend pas tellement, puisqu'on connaît un petit peu les pratiques de la côte, mais quand même, l'approche d'Olivier Weber est particulièrement intéressante. Alors, voilà. Vous avez donc des questions à poser sur cet arrière-pays, hein, oui. Qui alors, est un peu un thriller, quand même, qui est un... voilà. Oui, non, ça sent le roman policier. Ça sent le roman policier. Allons-y. Et puis après, on se dit, non, ça n'est pas vraiment, mais on y est proche. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi. Allez-y. Alors, d'abord, je voulais rappeler, pour la compréhension générale, les personnages du livre. Il s'agit d'un jeune homme, Jonathan, qui vient de l'arrière-pays, qui est un produit de l'arrière-pays. Un enfant qui a fait des études de droit et qui est porteur d'un certain nombre de valeurs qui sont portées par cet arrière-pays qui est resté authentique et traditionnel. Et puis un autre personnage, Léna, qui est une fille de la côte, issue d'une famille riche, aisée, et qu'on reverra, enfin, dont on parlera peut-être plus tard. Elle milite dans une association, elle est riche, sort d'une famille... qui est un petit peu, comment dire, dans une mouvance, enfin dans l'argent, pas dans la corruption elle-même, mais le père, oui. Et Léna, elle milite dans une association écologique. Et c'était notamment la période des fameuses boues rouges dont certains d'entre nous doivent se rappeler. Mmh. Qui existe encore, d'ailleurs, se dit en passant. Oui. Alors, donc, Jonathan, Léna, alors on a une histoire d'amour, bien sûr, mais pas que. On a également un autre personnage qui est le déclencheur du roman et du côté fort du roman, qui est Guillaume, qui est l'ami de Jonathan, qui faisait de l'escalade reconnue au niveau mondial. Et un autre personnage dont je voudrais peut-être aussi vous parler, dont j'interrogerai Olivier. Allez-y, alors. C'est Marco. Oui. Marco.
qui est un peu... Alors dites-nous, parce qu'on a relativement peu de temps, donc quels sont... Je crois que c'était important de savoir qui était le personnage. Bien sûr. Alors je voudrais demander à Olivier, qu'est-ce qui a motivé le thème de ce roman, Il y a deux choses, hein, parce que finalement, c'est, il y a un côté un peu polar, et puis l'intrigue amoureuse, l'histoire d'amour qui est une belle histoire, à mon avis. Mais c'est surtout la vie de ce jeune berger, Jonathan, qui transgresse en fait les règles, puisqu'il arrive à aller sur la côte. Et ce n'est pas évident de passer d'un milieu social comme cela à un autre. En plus, dans une vallée qui est assez enclavée, qui est une vallée que je ne nomme pas, mais c'est une vallée du Mercantour. On en reparlera. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc, il va transgresser des règles. Il se retrouve sur une côte d'Azur bourgeoise, comme vous le disiez, avec un littoral, évidemment, qu'on connaît tous, très flamboyant, etc. Et un milieu qu'il ne connaît pas et qu'il va pénétrer, donc, et apprendre à connaître, y compris d'ailleurs avec sa petite amie Léna. Et puis, la deuxième chose, c'est parce que, voilà, moi, j'aime bien des personnages un peu ambivalents. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Lui se pose beaucoup de questions sur ses origines, Jonathan, puis en même temps, un petit peu comme le Martin Eden de Jack London, il ne sait pas trop s'il a le droit de s'élever dans cette société bien pensante et donc bien entier de la Côte d'Azur. Et puis surtout, il y a la perte de cet ami Guillaume, qui est un des meilleurs alpinistes au monde de l'époque, qui a 28 ans, qui est un très bon grimpeur, et qui disparaît, on n'a jamais retrouvé son corps, jusqu'à ce qu'un glacier, dans cet arrière-pays, enfin en très haute montagne, recrache le corps. Et le corps de Guillaume, ce grand grimpeur, qui pourrait être un Patrick Béraud, un Edlinger d'aujourd'hui, va parler parce qu'on va retrouver sur lui donc des notes, etc. Et en fait, Guillaume était non seulement grimpeur chevronné, donc mondialement réputé, mais aussi un militant écologique. Et en fait, il va parler du scandale des Beaux-Rouges. Donc c'est un milieu où il y a deux endroits qui ont besoin l'un de l'autre pour vivre. Donc cet arrière-pays, qui est l'arrière-pays niçois en fait, puis deuxièmement la Côte d'Azur. Donc... Et c'est vrai, quand on est, moi qui ai grandi dans les RPI niçois et puis à Nice où j'ai fait une partie de mes études, quand on regarde depuis la mer le littoral, c'est ce que disait Kessel de Hollywood, c'est un décor de carton-pâte presque. Le PNB par habitant, il est divisé pratiquement par deux tous les 10 km. Et en haut, vous avez de la petite paysannerie, c'est de la débrouille. Les gens sont d'ailleurs pas malheureux, au contraire, sont plutôt heureux. Et on se dit, bon ben voilà, c'est un peu le contre-exemple, c'est l'arrière-cour que cet arrière-pays. Non, l'un a besoin de l'autre. Ce sont deux miroirs inversés, en fait. L'ARPI qui a besoin de la côte, évidemment, économiquement, et puis la Côte d'Azur pour les raisons secondaires, pour le ski, pour la montagne, etc. Donc il y a une symbiose, et puis il y a des histoires de corruption qui sont vraies. Alors tout ça se passe au début dans un hameau à 3 heures de marche d'un village, donc dans un hameau modèle, et ça c'est vrai, ça existait. C'est un docteur que j'ai connu quand j'étais adolescent. Je ne pourrais pas le nommer, parce que j'ai changé son nom dans le bouquin. Et en fait, il a gagné des fortunes avec des brevets médicaux. Je vous en donne un tout simple, que tout le monde connaît. C'est le sonotone pour malentendants sur la lunette. Alors on se dit aujourd'hui, rien de plus banal. Non, il a déposé le brevet, il gagne une fortune, puis il achète paf une montagne, après une vallée. Et puis il faisait des sortes de soirées intimes, où les gens arrivaient par hélicoptère. Alors on est à 3 heures de marche d'un village, avec des magistrats, des policiers. Bon, c'est un film... C'est une série B américaine. Hein, et bon, évidemment, se négocier dans ce chalet en haute montagne, donc pas mal d'affaires de corruption, et ça, c'est vrai. Donc moi, je m'en suis inspiré pour le roman, et pour en faire un combat, justement, contre ces beaux rouges, et contre la corruption des élites sur la côte. Okay. Alors, un des personnages qui, moi, m'avait interpellé un peu, c'est Marco. Marco, qui est un enfant du pays, de l'arrière-pays, et qui, finalement, réussit brillamment en profitant, entre guillemets, de la côte. Comment expliquez-vous et pourquoi vous avez mis en scène ce personnage et comment vous expliquez cette démarche? Oui, alors Marco, c'est l'ami d'enfance donc de Jonathan, de mon héros. Et il est surdoué, ce type-là. Il est d'origine modeste, mais il a tout compris, etc. Puis il devient croupier sur le rocher avec un grand R, donc ça veut dire évidemment Monaco, vous l'aviez dit. Et croupier au casino, ça marche bien, etc. Et l'histoire est vraie là aussi. Et le type devient ensuite trader. Et j'explique comment on peut passer du métier de croupier à celui de trader. Donc à Monaco, qui a été longtemps une plateforme du blanchiment. Et bah, c'est pareil, parce que Marco, il est ambivalent. Il a son éthique. Il vient du village avec un grand V. Donc un village, en fait, réellement, qui existe. Donc qui est le village dans la vallée de Breil-sur-Roya. Et voilà, c'est pareil, c'est une frontière un peu floue entre le bien et le mal. Et justement, c'est presque naïf que de dire ça, parce que les deux se mélangent dans beaucoup des personnages, dont celui de Marco. Et en même temps, il se dit, est-ce que j'ai le droit d'échapper à mes origines, à ce qu'on m'a enseigné, le village aussi, la tradition, grosso modo le clan ou la tribu, pour faire vite. Lui, il y arrive, ça lui coûte un peu cher, éthiquement parlant.
Et Jonathan, mon héros, non, il a des valeurs, etc. Donc, c'est pas qu'il est plus rigide, mais voilà, il est un peu plus dans la philosophie de la vie, etc., de l'engagement. Donc voilà, il y aura pas mal de confrontations, parce que mon héros, Jonathan, passe aussi par le même casino du Rocher. Et lui, il va en partir, parce que justement, il se méfie énormément du blanchiment, puis de ce rapport à l'argent, très vénal, etc. Donc Marco, oui, c'est quelqu'un d'ambivalent, mais bon, je crois qu'on l'est un peu tous. Hein. Oui, bien sûr. Léna, qui est un personnage qui est donc amoureuse, si on peut dire, de Jonathan, comment cette fille peut se réaliser à travers ses opinions personnelles et à travers son amour ? Oui, alors Léna, donc, c'est la petite amie de Jonathan, ils se sont connus en montagne un peu par hasard, parce qu'elle se baladait, faisait un trekking toute seule, puis Jonathan, berger... On a fait sa petite amie, Jonathan, donc, qui avait fait entre-temps des études de doctorat de droit international, et là aussi l'histoire est vraie. Ben, Léna, c'est la révolte contre le père. Léna, elle est donc, pareil, juriste, elle rentre dans une ONG, donc une association qui lutte contre la pollution de la Méditerranée. Et le scandale des Baux Rouges, malheureusement, existe toujours. Hein. Il y a des millions de tonnes de métaux rares qui ont été déversés par une usine d'aluminium dans le parc des Calanques, et la seule solution qu'on a trouvée, vous savez ce que c'est ? C'est de repousser le tuyau de 20 km, donc au-delà du parc sous-marin naturel des Calanques. Donc, on continue de polluer, il y a un filtre, il y a un peu moins de mercure, un peu moins de titanium, mais quand même, ça pollue les poissons, et attention à la bouillabaisse sur certaines parties du littoral et de la côte. Et donc, Léna, elle se révolte contre le père. Elle dit, ben non, c'est pas possible, mon père est un homme d'affaires, c'est un promoteur immobilier, mais évidemment qui a toutes les connexions... dans le monde politique, et c'est là où c'est intéressant aussi, parce que sur cette côte, mais il en va de même de beaucoup de pays dans le monde, et moi, pas que ça me fascine, mais ça m'intrigue toujours, cette symbiose entre le légal et l'illégal. Vous savez ce qu'ils disent les policiers et les magistrats aussi par rapport à Nice, parce que ça se passe dans la région de Nice, ils disent Marseille à côté de Nice, Marseille est un jeu d'enfant, parce qu'on sait où sont les truands, les dealers, etc., les mafieux. Alors que là, à Nice et la région niçoise, on ne sait pas trop. Il y a une vraie porosité entre différents milieux. Voilà, le légal et l'illégal. Sur plein de choses, hein, construction immobilière, les permis, on fait des villas, puis on creuse en dessous sur les terrasses, etc., pour faire sortir des sous-sols avec des baies vitrées. Les Russes sont très forts pour ça, d'ailleurs. Donc voilà, donc Léna, elle se bat contre ça. Et ça va un moment coûter leur amour. Mais bon, après, il y a plutôt une fin heureuse que je ne raconte pas, évidemment. Oui, peu de temps après que j'ai eu fini ce roman, ont eu lieu les événements, enfin les inondations de la vallée de la Roya et de Vésubie. Oui, pardon. Qu'est-ce que ça vous quelle réflexion ça suscite en vous en regard de ce roman, justement, enfin, oui, moi, ça m'a fait évidemment un choc parce que ma famille est là-bas. Une fois, le roman, il n'est pas intemporel, mais il n'est pas marqué géographiquement. Donc, j'invente ou je réinvente les noms de lieux. Mais... parce que ça peut se passer n'importe où, en France ou ailleurs. Et surtout, cette dichotomie entre un arrière-pays montagneux donc, et puis un littoral très, 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 très riche. Et comment se passent ces rapports sur un périmètre ou un territoire extrêmement rétréci. Donc pour moi, je ne le localise pas, évidemment, ça se passe là, même si je fais des raccourcis, etc. Et là, la leçon, je ne sais pas si c'est une leçon, mais pour moi, c'est un paradis. Je me dis, si un jour ça se passe mal, moi qui ai couvert quelques guerres, des moutons ou autres, ou écrire dans la montagne, et puis je me dis que même ce paradis-là est atteint par le réchauffement climatique. Et le deuxième point, c'est que ça m'a un petit peu énervé, je ne suis pas le seul, hein, il y a plein, de voir de la part d'urbains, on est tous urbains, moi je suis urbain aussi maintenant, j'habite en grande partie à Paris, mais... de voir des commentaires sur Internet ailleurs, disent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont construit des maisons dans le lit des fleuves. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'inondation en Vendée, etc. Ce sont des maisons qui sont bicentenaires ou tricentenaires. Il n'y a jamais eu ça de mémoire d'homme, on est bien au-dessus du lit du fleuve, sauf des constructions à Saint-Martin-de-Vésubie, qui sont d'ailleurs les résidences des employés de l'EDF. Mais à Breil, tout ça, ça existe depuis un siècle, deux siècles, trois siècles. Non, c'est le réchauffement climatique. Donc même là où j'ai des copains dans la montagne ou la famille qui me disent de toute façon, nous, on n'est pas touchés par la pollution ou le Covid. Et moi, je leur dis à chaque fois, mais si, faire attention, parce qu'on est tous solidaires. Et on est dans l'osmose entre nous. On forme quand même qu'une seule confrérie qui est celle de l'humanité. Et bien là, tout d'un coup, on de ces vallées, nous sommes dans une chaîne. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut plus que jamais avoir des réponses. Oui, j'ai pensé. Nus. Cet antagonisme qu'on trouve du début jusqu'à la fin du livre, est-ce que c'est voulu et pourquoi vous le marquez d'une façon aussi forte ? Bah, moi,
me suis emparé du roman justement pour, à nouveau pour ça, parce que ce sont des antagonismes, mais où il y a des points de passage, des porosités à nous, même à l'intérieur d'un personnage. Vous savez, c'est un philosophe, Georges Bataille, qui avait nommé un bien et mal, et souvent, elle est pas suffisante, voilà, je vais le dire comme ça. Donc voilà, il y a des antagonismes, mais l'évolution des personnages, et surtout Jonathan qui voit la découverte du corps de Guillaume, cet alpiniste d'abord au fond d'un glacier. La découverte du corps de Guillaume, cet alpiniste d'abord au fond d'un glacier, une crevasse qui va rechercher avec Titain, un vieux berger, et dans la crevasse, le corps va parler parce qu'il y a des notes. C'est un choc, la rencontre avec Léna aussi. Puis après, les combats sur la côte. Donc, il y a une élévation amoureuse, évidemment, mais aussi spirituelle. Donc, il y a une élévation amoureuse, évidemment, mais aussi spirituelle. Donc, voilà, moi, j'aime bien ces personnages qui sont proches des ruptures et qui renaissent. C'est presque une résilience, en quelque sorte. Il y a une renaissance. Et ça, le roman le permet, même si ces personnages sont en partie vrais. Merci. Marie Rose, après l'arrière-pays en ce moment, vous êtes une grande lectrice. Oui, je suis sur un thriller. On peut le nommer ? Vous ne souvenez plus, mais vous avez enchaîné sur un policier à nouveau. Oui. Voilà. Je lis beaucoup de policiers, mais ce livre, tout l'aspect philosophique, si on peut dire, du livre, et puis une intrigue qui est quand même forte. Et qui repose sur des faits d'actualité aussi, oui. J'essaie de mélanger tout ça avec les personnes. Sur les histoires, là, il y a aussi une enquête de 6 mois derrière. Ça part, dans les montagnes. Les personnages ne vous appartiennent plus. Ce sont des fiefés malins, parce que tout d'un coup, ils font leurs propres histoires. Et voilà, bon, ça se fait tout seul après. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Marie-Rose. On vous laisse. Voilà. Merci. Olivier, reste là. Pas évident de distant. On va quand même le faire, parce que c'est pourtant qui t'a amené durant toute ta vie à alterner grand reportage et roman, à travers notamment plus de 20 théâtres de guerre. C'est donc Albert Gibello, de l'Aube. Alors un petit point pendant que Albert s'installe sur ce livre, qui en fait a été, si j'ai bien compris, juste pour nous, puisque il ne sortira qu'au mois novembre. De novembre. Alors, il est collector, si on veut le signer après. Oui. Le titre, déjà, Olivier, J'étais là-bas, au début de l'année, je suis resté bloqué avec le début du confinement, c'est compliqué pour moi. Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Donc, pour y aller, il faut passer pas mal de fois, parce qu'il y a un Kurdistan irakien. Les Kurdes sont répartis sur 4 pays. C'est le plus grand peuple, numériquement parlant, contemporain, sans État. Entre 30 et 40 millions. Oui, ça fait presque 40 millions, absolument, selon les évaluations. Et si je t'oublie, Kurdistan, pour répondre à la question rapidement, c'est d'abord une incantation biblique qu'on a dans la Torah et l'Ancien Testament, si je t'oublie, Jérusalem. Et puis, deuxièmement, parce qu'on a oublié le Kurdistan. On est combien aujourd'hui? Le 18, c'est ça? Il y a un an et 11 jours, il y a un abandon, je pèse mes mots, extraordinaire, qu'on ne voit jamais dans les états-majors. L'état-major américain l'a critiqué de la part d'un président, qui est le président Trump, sur des alliés. Parce que les Kurdes étaient vraiment les alliés des Occidentaux. Et le 7 octobre, donc de l'an dernier, Trump a décidé d'abandonner en fait les Kurdes à eux-mêmes, et surtout en Syrie. C'était la porte ouverte pour que les Turcs arrivent. Or, en 2 secondes, les Kurdes se sont battus pour nous, contre Daesh. Ce sont souvent des combattanteux qu'on appelle les Peshmerga, les combattants de la mort. Elles ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans. Vous avez vu encore au combat il y a peu de temps. Et ça fait 13 500 morts de leur côté pour nous, contre Daesh. Et qu'est-ce qui se passe le 7 octobre? C'est Trump dit, bon, bah, finalement, il faut voir l'équilibre des puissances, là, puis ça coûte cher, hein, on se retire. On ne fait pas ça en stratégie militaire. Le Pentagone a dit, c'est pas normal, les généraux américains étaient furieux. Il y a déjà des retours du bâton, d'ailleurs au Karabakh ou en Libye, sur des mercenaires syriens de Daesh, qui ont été sortis de prison, à peu près 5000, par le président turc. Donc, bah, le livre, c'est à la fois une réflexion philosophique sur la loyauté, l'engagement, mais aussi la trahison, et puis bien sûr un... Oui, parce que tu en appelles à Spinoza, à Malaparte, et bon, tu appelles un certain nombre de références. Moi, en lisant ce livre au Kurdistan, qui est assez éclaté, hein, dans ce pays qui est pris entre l'Arménie, la Turquie, la frontière, c'est-à-dire que c'est vraiment un peuple qui est un peu dans l'ensemble de ces pays. Je me suis dit, en lisant ce livre, parce que très franchement, je ne connaissais pas la situation telle que tu l'as décrit, parce que en plus tu y es retourné,
on voit ce que tu nous dis ce que tu vois, et c'est au fond ce qu'est le Grand Bivouac aujourd'hui. Grand Bivouac, je disais, c'est un peu au fond le parce qu'il y a à la fois un conflit religieux, sunnite-chiite entre autres, pour faire court. C'est à la fois, comme tu viens très bien de le dire, une trahison. Alors américaine, mais pas que. Tu viens de dire que effectivement des supplétifs de Daesh ou du Front al-Nostra, on les retrouve au Haut-Karabakh, j'en parlerai après, mais on les retrouve aussi aujourd'hui recrutés entre les Kurdes aujourd'hui. Cette situation est là. Donc on a à la fois ramassé. Et quelques mots, je m'étais promis, on parlait de loup tout à l'heure, il y en a un de loup là. Hein. C'est un peu tout ça au fond. Oui, 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 pardon de voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y en a deux qui sont encore indépendants ou pseudo-indépendants, enfin, quand je dis pas enfants de Syrie, qu'on appelle Rojava. Et il y a beaucoup d'espoir. En même temps, les Kurdes sont des musulmans. C'est une entité, à défaut d'être un pays, un respect des droits de l'homme et des droits de la femme. La femme n'est pas voilée, la femme a son mot. L'ensemble du pont, en fait, en Syrie, ce qui gêne les États. Et en fait, il y a, en 1920, à l'issue de la Première Guerre mondiale, il y a eu l'effondrement de l'Empire. Donc, gloire aux vainqueurs, malheur aux vaincus. Les puissances occidentales donnent un État libre pour les Kurdes. Et puis, trois ans plus tard, un jeune général, qui s'appelle Atatürk, qui va devenir la Turquie moderne sur les ruines et les cendres de l'Empire ottoman, on dit, maintenant, on fait un État kurde. Et les Kurdes ont été une première fois trahis. Mais en même temps, moi, je suis surpris par cette énergie qu'il y a, cette résistance. Et je suis pas pessimiste. Si je parle de trahison, c'est pour ça que je parle beaucoup de philosophie depuis Sénèque jusqu'à Kant et Nietzsche. En passant par Spinoza, effectivement, dans le livre, c'est aussi pour qu'il y ait un peu... Et Nietzsche, en passant par Spinoza, effectivement, dans le livre, c'est aussi pour qu'il y ait un peu cet éloge de l'amitié, de la loyauté, de l'engagement d'un certain militant qui s'est passé à Conflans, et aussi l'imam de Drancy, Chalgouli. Et il faut se battre contre ça, justement. Et les Kurdes nous disent, voilà, faut tenir l'alcool avec eux. Donc, évidemment, il n'y a rien pour dire non au djihadisme, non à ce nom de l'islam donc, qui représente le radicalisme. Donc voilà, moi je vois plutôt le côté optimiste, même s'il y a eu de la trahison qui vient des pays occidentaux. Comment, ça va changer, je pense. Oui, comment tu... Enfin, c'est historique, naturellement, mais comment expliquer, c'est bien que tu nous le dises, comment expliquer effectivement ce que tu as rappelé, c'est-à-dire que c'est un pays où cohabitent à la fois... des musulmans, des chrétiens, dans un respect des droits de l'homme, dans une égalité homme-femme, qui est un peu un îlot entouré de pays qui sont dans une posture totalement différente. Tout à fait. Les États avoisinants ne veulent pas d'un Kurdistan indépendant. Ils manipulent les uns contre les autres, que ce soit la Turquie, l'Iran ou l'Irak. Mais les Kurdes se débrouillent parce que, voilà, par exemple, en Syrie, c'est assez drôle. Moi, j'ai voyagé assez longuement pour ce livre. Et on voit tout d'un coup des vieux Derrick, un peu comme le film There Will Be Blue, là, avec Daniel Day-Lewis. Et il y a une autarchie, voilà, après on se débrouille, on plante des légumes, etc. Il y a une énergie de la survie qui est incroyable. Donc pour moi, il y a aussi une leçon. Puis alors, j'arrive au bout, alors d'abord pour entrer Rojava, donc au Kurdistan de Syrie. Donc je l'ai dit, il faut passer par l'Irak. Puis on passe par une espèce de barge flottante sur un fleuve biblique qui s'appelle le Tigre, même passé à la nage d'ailleurs. Retenu par des câbles, c'est assez compliqué. L'autre côté, on est en Syrie. Et en Syrie, il faut être attendu. C'est assez compliqué après de voyager. Parce qu'entre les localités kurdes, il y a encore Daesh. Quoi. Et bref, j'arrive au bout du voyage avec un compagnon de route. Là, et puis mon traducteur et ami Mustapha, qui est un prof de philo de 31 ans, donc qui est kurde. Et qui est un type incroyable. Il a étudié à Damas, il a dû apprendre l'arabe, faire semblant de ne pas être kurde. C'est un adorateur de Camus. Il connaît Camus par cœur. Un type incroyable qui est pourtant d'origine paysanne. Voilà, c'est Jonathan le Berger en version réaliste. Et bref, on arrive sur le fleuve l'Euphrate, l'autre fleuve biblique. De ce côté-là, donc je suis avec les combattants kurdes, on est dans les tranchées, etc. Il y a de l'eau parce qu'il y a une porosité, on est presque dans les marais. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce que l'un des combattants, les deux combattants, l'un était arménien d'ailleurs, de Syrie, avait monté une dachaka, donc c'est une mitrailleuse lourde, sur une moto. Et alors je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il y a des trépieds pour stabiliser la dachaka, la mitrailleuse lourde de 12-7 quand il tirait. Il dit, parce que comme ça, quand on est repéré, on part aussi vite. On replie les trépieds, puis on va tirer à 800 mètres de là, etc. Et bref, donc, d'ici, même pas au lycée Jean Moulin, enfin, le fleuve Euphrate est un peu large, mais quand même, on voit très bien la jumelle. Il y avait de l'autre côté du fleuve, en bas des collines, l'armée turque, l'armée de l'OTAN. Voilà. Et deuxièmement, à côté d'eux,
Daesh, donc les membres de l'État islamique qui ont été sortis de prison, encore une fois, par les Turcs. Donc voilà, c'est un peu le but de ce livre que de parler du récit de voyage, des anecdotes, de ce qui se passe, de cette joie de vivre aussi des Kurdes, des oliviers, des vergers, des cultures qui continuent, et puis en même temps un peu de ce principe, ces principes de philosophie quant à l'amitié et au courage. Il y a un personnage qui est assez central dans ton livre, c'est Erdogan. Parce que le tropisme oriental dont tu parles d'Erdogan, on le retrouve aujourd'hui au Karabakh, d'une certaine manière. Donc tout ceci forme une zone sur laquelle la Turquie, enfin Erdogan... Je vous cache pas que quand le livre va paraître le 10 novembre, il y aura sûrement une protection policière, parce qu'il faut se méfier des Turcs, des pro-Erdogan, qui sont en Europe, et je ne retire pas une ligne de ce que j'ai écrit, mais il se trouve que je le connais, Erdogan, et je ne vais pas nommer son conseiller, je connais certains de ses conseillers, et l'un de ses conseillers, qui est un ami, mais je ne le nommerai pas, donc, pour des raisons de sécurité, je dis, mais comment il va ton patron ? Il me dit, mon patron est totalement fou. Voilà. Et quand j'ai rencontré Erdogan, j'ai toujours été surpris, donc le président turc, de son intelligence politique. C'est une bête politique. Et je parlais donc de L'Enchantement du Monde ce matin, qui est un livre sur le peintre Bellini au XVe siècle, qui va voir, en tant que peintre vénitien, le jeune sultan qui a pris Istanbul, Mehmet II. Erdogan, aujourd'hui, se prend pour Mehmet II. C'est la réincarnation du sultan. On l'appelle d'ailleurs le sultan. Et pour répondre à ta question, on est dans un jeu d'empire, ou de néo-empire, ou de nouveaux empires, l'Iran, la Russie, la Turquie. Ils s'entendent très bien. Tu me descends en avion, bon, je ne vais pas te faire la guerre pour ça. Tiens. On va s'entendre donc, sur la Syrie, partage de territoire, sur la Libye. Il y a une vraie conflictualité entre la Russie, avec les mercenaires de la division Wagner en particulier, et la Turquie qui a fait venir des Syriens, payés 1 000 à 2 000 dollars, le Karabakh, la Méditerranée orientale, et demain encore d'autres lieux. Donc Erdogan est dans l'expansionnisme et dans le néo-ottomanisme, en fait, pour être... dans la conquête de terres vers l'Est et l'Asie centrale. Allez, une petite dernière. C'est pour ça que tu as aussi à la fois les printemps arabes, c'est un peu trois piliers, les printemps arabes, Erdogan et la Russie, sur l'influence qu'ils ont là, l'Occident ayant quitté les lieux où on n'est jamais vraiment occupé. C'est pour ça que tu cites cette phrase de Churchill que je trouve tout à fait appropriée à ton bouquin, c'est « La malveillance des méchants se renforce de la faiblesse des vertueux ». Ouais, c'est exactement ça. En même temps, les vertueux continuent de résister. Moi, je trouve que cet esprit de résistance, qui est un esprit donc militaire, enfin au sens de la résistance physique du terme, c'est aussi une inspiration pour la résistance morale. Moi, je parlais de ce qui s'est passé avec Conflans-Sainte-Honorine. Il faut résister contre la censure, contre l'autocensure. Pour un écrivain, pour un professeur d'histoire, c'est pas toujours évident, hein, l'autocensure, parce qu'elle est souvent inconsciente ou imposée indirectement. Et donc, oui, les Kurdes, pour cela, pour moi, ce sont des résistants, comme il y a du résistant ici, dans les maquis, pas très loin d'ici, physiquement engagés, mais aussi moralement et religieusement, je veux dire, spirituellement engagés. Donc, c'est cet esprit de la contestation, de l'engagement qui m'a intéressé à travers ce livre. Merci à vous. Albert, tu as lu ce livre d'une traite. Hein, je te l'ai confié il n'y a pas très longtemps. Hein. Et donc, si j'ai bien compris, c'est surtout la phrase que tu viens de citer à laquelle tu adhères parfaitement toi-même comme lecteur. Quelle a été ta réaction, deux mots ? Ma réaction, ça a été celle de... Je crois que c'est... Ma réaction, c'est la trahison de l'Occident. Je trouve que trahir quelqu'un qui vous a aidé, c'est la pire des attitudes pour un homme, pour une humanité. Je trouve qu'on n'a pas le droit. Laisser ces gens complètement là, face à eux, alors qu'ils ont combattu, comme Olivier le disait tout à l'heure, ont combattu pour nous et que ce combat continue. Ce n'est pas un combat achevé, ce combat continue. Bien, malgré que ce combat continue, on est toujours là, les laisser livrer à eux-mêmes. Et je trouve cette attitude absolument déplorable. Mais hélas, c'est la phrase de Churchill qui résume tout à fait la situation, je crois. Beaucoup d'espoir, pardon, pour finir, vraiment beaucoup d'espoir. Et ce laboratoire des droits de l'homme et des droits de la femme, il existe vraiment. C'est le ou les deux Kurdistan. C'est pour ça que la première phrase du livre, c'est j'ai franchi pour la première fois de ma vie une frontière avec une grenade dans la poche. Point. Et la grenade, c'est pas une grenade explosive ou défensive, c'est le fruit que j'allais donner un petit peu en cadeau à mes amis kurdes qui m'attendaient de l'autre côté. Donc voilà, c'est aussi cette réponse à l'amitié, à l'hospitalité des Kurdes, qui est l'hospitalité des montagnards. J'ai pour la première fois de ma vie traversé une frontière avec une grenade dans mon sac.
Merci à vous deux. Donc c'est si je t'oublie Kurdistan et merci. Et l'arrière-pays, donc, chez Kalman Levy. Si je t'oublie Kurdistan, il est, je ne sais pas si Thomas est là, il est en vente dès à présent en exclusivité, donc en avant-première à Albertville. Formidable, merci. Pour la dernière partie de ce grand entretien, nous allons rester dans l'actualité avec deux ouvrages qui, chacun à leur manière, ont pris le large en Méditerranée pour tenter d'aborder au rivage de l'Europe. Avec d'abord donc Petit Go de David Delhomo, que j'invite à nous rejoindre, avec son lecteur Jean-Pierre Saint-Germain. Allons-y. Bonjour, installez-vous. Voilà, nous sommes encore ensemble, comme convenu, une demi-heure, donc pour ces deux ouvrages. Bien, Petit Go aux éditions Tot-To. Je ne sais pas comment on dit. Tot, voilà. Alors, Jean-Pierre Saint-Germain, première réaction sur ce livre dont j'ai tracé, pardonnez-moi, très rapidement le thème. Tap, ta réaction à toi, pardon. Bon, déjà, je suis heureux que vous m'ayez fait confiance en me proposant effectivement en lecture ce livre. C'est d'autant plus, pour moi, ça a été d'autant plus émouvant que... pendant une dizaine d'années, j'ai eu une petite affaire en Afrique, à Bamako, je te le disais tout à l'heure. Et je retrouve effectivement, notamment dans la première partie du livre que tu as écrit, cette ambiance effectivement de la périphérie, excusez-moi, de la périphérie des grandes villes effectivement d'Afrique, que ce soit Riga, que ce soit Dakar, que ce soit Bamako. Donc, avec ces marchés à la périphérie, ce charbon de bois qu'on vend, les femmes avec les légumes qui ramènent de la brousse, tout ça, donc vraiment super agréable. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, bien sûr, il y a cette fameuse histoire de Youssef. Donc, c'est Youssef, hein, c'est ouais, ça Youssef, oui. Qui, effectivement, nous. Qui, suite à des raisons que tu vas nous expliquer, effectivement, va quitter son pays pour rejoindre, effectivement, tenter de rejoindre, effectivement, l'Europe. L'Europe qui, pour certains, est un Eldorado. Mais je te disais tout à l'heure dans les premiers propos, pour lui, ce n'est pas forcément un Eldorado. Il a été condamné à fuir. Et j'aurais aimé que tu puisses revenir, effectivement, sur ce point-là. Parce qu'il y a en quelque sorte une fuite qui est une fuite magique, enfin si on peut le dire, hein, le mot est un peu fort, mais il est condamné à fuir. Merci. Donc, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même préciser les raisons qui m'ont amené à écrire ce roman, qui est un premier roman, hein, c'est vraiment une première expérience. Tout est parti en fait hein, de mon engagement, qui est déjà ancien, sur les questions de migration et notamment d'accueil de réfugiés, hein, puisque je fais partie de réseaux d'accueil de réfugiés que régulièrement, depuis plusieurs années, je reçois à la maison hein, des réfugiés qui, pour la plupart du temps, viennent d'Afrique subsaharienne. Donc à partir de l'ensemble de leurs témoignages, de leurs récits, voilà, j'avais collecté suffisamment d'informations et en particulier des anecdotes hein, pour imaginer un jour démarrer l'écriture d'un roman. Hein, et ces éléments-là se sont ajoutés à une expérience personnelle aussi de vie en Afrique pendant une certaine période de ma vie. Et voilà, donc c'est tout ça qui m'a conduit hein, à écrire ce roman, qui s'appuie principalement, en effet, hein, sur l'histoire de l'un des réfugiés que j'ai accueillis, hein, qui s'appelle de son vrai nom Yakuba, qui est ivoirien, et qui a en effet fui son pays, et non pas pour des raisons politique, si j'ose dire, hein, mais parce que, en effet, il a été menacé de mort hein, suite à une affaire privée, hein, comme il arrive souvent à ces personnes. En effet, c'est pas souvent des personnes qui sont dans des histoires de guerre, qui sont engagées politiquement. C'est souvent le hasard de la vie qui fait qu'ils sont menacés de mort et qu'ils du coup fuient souvent le pays du dessus. Hein, c'est ce que je dis dans ce roman. Hein, au départ, Youssef, en fait, il est chauffeur de taxi. Il se fait braquer son taxi par deux jeunes hein, qui vont sans doute le vendre après sur un marché au Congo ou ailleurs. Et ce taxi, en fait, appartient à un chef militaire de Côte d'Ivoire qui le menace. Il lui dit,
ton taxi n'a pas été volé, tu l'as sans doute volé toi-même avec la complicité des deux jeunes dont tu dis qu'ils l'ont volé. Et donc ce chef militaire le menace de mort, et donc Youssef décide de fuir, et lui il décide de fuir juste le pays du dessus, hein, qui est le Burkina. Je ne situe pas géographiquement les pays, mais en réalité c'est le Burkina Faso. Et puis au Burkina Faso, il trouve que c'est peut-être pas, il n'est pas encore en sécurité, donc il continue à avancer, et puis il se retrouve jusqu'à la Libye. Hein, donc en effet, on a souvent des histoires comme celle-ci de gens qui en fait ne fuient pas pour aller en Europe, ils fuient un pays dans lequel ils sont en danger, et en fait, chemin faisant, ils se retrouvent dans des réseaux, dans des groupes de personnes qui vont ensuite les emmener jusqu'en Libye ou au Maroc, pour ensuite, une fois qu'on est là-bas, en Libye, on n'y reste pas. Hein, en l'occurrence, j'explique un peu la situation en Libye. En Libye, on n'y reste surtout pas. On ne peut pas revenir en arrière. On est obligé de traverser la Méditerranée pour aller encore plus loin. Ceci dit, il se pose la question. Est-ce que je vais rester en Libye? Est-ce que je vais aller au Maroc? Ou est-ce que je vais traverser la Méditerranée? Il ne sait pas, y compris en Libye, s'il va traverser la Méditerranée. Absolument, tout à fait. Il se pose encore des questions jusqu'au moment où une série d'événements, en effet, le pousse à traverser la Méditerranée. Mais en effet, il y avait... Quand on est en Libye, on ne peut pas en réalité sortir de ce pays. Enfin, c'est les réfugiés qui le disent, on ne peut plus sortir. On est obligé d'aller devant. Alors certains réussissent à redescendre un petit peu, à aller vers le Maroc, mais la plupart du temps, ils sont obligés de traverser. Oui. Jean-Pierre ? Oui, je trouve... je vais juste vous lire une phrase... C'est page 52, effectivement. Tu dis, fuyant la mort, Youssef prenait conscience qu'il fuyait aussi un pays où la corruption rendait la vie impossible aux plus humbles. Quel avenir avait-il dans un pays où les revenus des uns se fabriquaient sur le pillage des plus faibles? Ça résume bien, effectivement, ce que tu viens de nous dire. C'est en effet aussi... Enfin, les raisons du départ ne sont pas toujours liées à une violence politique... qui est visible. La violence politique dans un certain nombre de pays, notamment de pays africains, elle est quotidienne et elle est invisible. Et ce jeune Youssef, qui est donc Yacouba dans la vraie vie, Yacouba, c'est un garçon qui a grandi en brousse, qui n'a jamais été à l'école, mais qui a travaillé très très tôt, donc à Abidjan en l'occurrence, et très tôt a une conscience politique qu'il n'avait pas d'avenir dans ce pays-là. Il me disait, avant cet événement, avant le braquage du taxi, il me disait, mais moi déjà, tout jeune, je savais que je n'avais pas d'avenir, je ne pouvais que travailler... ne jamais avancer dans ma vie, ou très difficilement, et avec effectivement un regard sur la classe politique qu'il définit comme corrompue, comme en effet profitant d'un certain nombre de choses que lui n'aurait jamais, et qui peut à elle seule expliquer qu'il puisse partir. Et des jeunes Africains fuient aussi l'Afrique pour ces raisons-là. Ça n'est pas lié qu'à des questions de violence, c'est aussi on n'a pas d'avenir dans ce pays-là. J'ai été, moi... En Côte d'Ivoire, j'étais étudiant en fait à l'université d'Abidjan pendant un an et demi. J'étais avec des étudiants qui, en effet, m'expliquaient. Alors, je parle de la fin des années 90, qui m'expliquaient que l'avenir pour eux ici était bouché, que ça pouvait, en effet, de leur point de vue, justifier leur départ, et que ça n'était pas que des histoires de violence. La Côte d'Ivoire a ensuite basculé dans des situations de violence, de guerre civile, mais la période où j'étais était une période, on va dire, calme politiquement, mais effectivement très violente au quotidien pour des personnes qui n'avaient pas d'autres moyens que de rester là-bas. Alors concernant le voyage, tu ne cites pas dans ton livre au départ effectivement deux choses. Tu ne cites pas effectivement d'où est originaire Youssef. Bon, on peut l'imaginer, finalement ça pourrait être n'importe quelle capitale peut-être. Et d'autre part, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est de... j'ai trouvé toute cette traversée du Burkina, du Niger et puis après la Libye. Bon, c'est violent, mais en même temps, il y a des solidarités qui s'expriment. Absolument, c'est vrai que dans l'histoire des réfugiés qui arrivent en Europe, on a finalement assez peu d'informations sur les conditions de la traversée. Alors, on connaît la Méditerranée très souvent, hein, c'est de ce point de vue-là couvert d'un point de vue médiatique. Par contre, tout ce qui se passe avant, on a la Libye, on a des informations sur la Libye. Hein, mais tout ce qui se passe avant, en fait, on ne sait pas vraiment. C'est ça aussi qui m'a conduit à vouloir un peu raconter cette période, ce moment de migration. Et en effet, ce sont des moments où il y a à la fois des moments qui sont extrêmement durs, violents, et en même temps des moments de solidarité. C'est en fait...
un aller-retour hein, qui est permanent et qui est souvent très inattendu. La violence arrive à des moments très souvent inattendus, et la solidarité également. Et j'ai souvent eu, en effet, enfin, c'est toujours moi ce qui m'a impressionné dans l'histoire de réfugiés, quand ils me racontaient leur histoire, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand ils me racontaient leur histoire, j'ai toujours été surpris par cet aller-retour hein, entre des moments de vraie solidarité, de personnes qui vont, par exemple, vous aider financièrement sur un moment de votre passage en vous disant « Tiens, je te donne 5 000 CFA pour que tu prennes un bus. » Et c'est quelqu'un du pays dans lequel ils sont et qui effectivement vont donner cet argent sans attendre de retour. Et puis, à part ça, vous avez effectivement des trafics de main-d'œuvre en Libye ou même bien avant. Hein, et donc, en fait, ces personnes sont toujours hein, dans cet aller-retour permanent entre moments de violence et moments de solidarité. Et pourquoi ne pas citer alors le lieu de départ ? Oui, mais en fait, c'est moins le cas maintenant, mais pendant une époque, je lisais beaucoup de littérature africaine. Et dans la littérature africaine, particulièrement la littérature africaine des années 60-70, les auteurs situent très rarement en fait, les lieux où se déroulent, les romans, les histoires. Voilà, je trouvais ça intéressant de faire cette référence-là. Et puis c'est peut-être aussi pour donner un petit côté... un peu universel à cette histoire. Et puis, je ne devrais pas le dire, mais c'est aussi une façon de ne pas trop me documenter, de ne pas faire trop de recherches, parce que si j'avais vraiment situé tous les lieux, en effet, il faut être précis après, dans les lieux qui sont traversés. J'avoue que j'ai voulu faire un peu l'économie de ces recherches, même si ça aurait été absolument passionnant, j'ai fait l'économie. Voilà, pour cet ensemble de raisons, on est un petit peu en aveugle, on va dire, sur le continent. Alors, on a toute la traversée, effectivement, de l'Afrique subsaharienne. Et ensuite, bon, on a ce départ sur la Méditerranée, avec une issue qui est tragique, mais finalement, Youssef est récupéré par l'Aquarius, ce bateau. Et l'histoire s'arrête finalement pratiquement là, au large des côtes, effectivement, de l'Europe. On ne va pas plus loin. Voilà. Pourquoi ? Alors. J'ai eu des retours de lecteurs qui me disent « Mais finalement, ton histoire, elle se termine bien. » Non, elle ne se termine pas bien parce que souvent, dans un parcours de migrants, le plus difficile commence en Europe. C'est là où, en effet, les difficultés vont être les plus difficiles. Alors même que pour certains, c'est une victoire d'arriver jusqu'en Europe. Moi, je ne voulais pas aller au-delà de la Méditerranée. Je sais pas, peut-être que je me suis dit qu'un jour j'écrirai une suite, mais j'en suis pas sûr maintenant. Peut-être que je me disais que voilà, la Méditerranée est une frontière au-delà duquel il est difficile d'aller. Je voulais bloquer l'histoire ici. Et puis bon, il fallait bien qu'il y ait une fin. Je trouvais que la fin sur cette Méditerranée, et c'est arrivé sur le continent européen, là encore sur un pays que je ne cite pas, hein, et aussi voilà, une invitation à réfléchir peut-être à la suite de ces personnes. Par ailleurs, ce sont aussi des histoires qu'on connaît, qu'on connaît plutôt bien, hein, l'histoire des gens quand ils arrivent en Europe après, hein, des réfugiés, on les connaît peut-être un peu plus. Donc je n'ai pas voulu non plus finalement répéter des choses qui étaient déjà dites. Alors ce n'est pas toujours sûr, excuse-moi, parce que dans un instant, on va voir avec Félicité, justement, quelqu'un qui arrive en gare de Chambéry. Et voilà. Une dernière question, Jean-Pierre ? Oui, alors en fait, c'est sur les derniers mots du livre qui m'interroge, c'est justement par rapport à cette arrivée le long des côtes, ça pourrait être en Italie, en France, peu importe. Je me permets de lire « Au loin, l'horizon ne se dessinait pas de la même manière que les matins précédents. Des formes sombres barraient la vue, semblables à des falaises. » Youssef en était sûr, c'était l'Europe qui arrivait vers lui. En s'approchant, les falaises se transformèrent, des maisons, des arbres, des camions-remorques, des routes bitumées, dansaient sur l'eau, formant une farandole qui n'attendait que lui. Finalement, c'est l'Europe qui vient vers lui, c'est pas lui qui va vers l'Europe. En fait, il n'a pas choisi au départ d'aller jusqu'en Europe, en effet. Et à un moment, pour un peu retourner la situation, effectivement, j'ai utilisé voilà, cette image hein, d'une Europe qui arrive vers lui. Je pense que dans un parcours de migration, il y a les raisons du départ et aussi les raisons qui nous amènent à partir. Il y a les effets attractifs, les effets répulsifs. Les effets répulsifs, en effet... On les connaît, il y a celui-ci, il y en a d'autres. Mais dans tout parcours de migration, il y a aussi quelque chose qui vous invite à partir dans les pays vers lesquels vous voulez aller. C'est aussi, c'est pas que négatif un départ, c'est aussi une histoire hein, qui vous amène... Enfin, les Africains ont toujours voyagé, il n'y a rien de nouveau. Hein. Il y a une histoire hein, de migration des Africains vers l'Europe qui est déjà ancienne. Alors,
pardon, sans vouloir être maladroit, il y a vraiment des moments où cette migration n'était absolument pas choisie, absolument horrible. Hein, mais pour le reste, hein, l'histoire africaine est remplie de migrations hein, vers l'Europe, hein, dans des trajets hein, d'attractivité du continent, et pas simplement hein, de départ forcé. Ok. Merci juste à vous, merci à toi. Tu veux rajouter quelque point, chose, je t'en prie. Tout à fait. Donc, c'est un livre, en fait, sur la forme qui est très, très accessible. Hein, et on discutait avant de venir ici, qui est accessible à tout public hein, et qui mérite effectivement d'être travaillé avec des élèves notamment. C'est un vrai sujet de travail, enfin, avec une écriture très épurée. Et là, tu viens de sortir un dernier livre, ou tu vas sortir un dernier livre, d'Addis Chow. Oui, là, sur l'histoire d'un dictateur guinéen qui a été au pouvoir de 2008 à 2010. Là encore, en m'appuyant sur des récits de jeunes Guinéens qui m'ont raconté cette période-là. Hein, et donc, j'ai écrit voilà, un roman sur ce personnage, partant de son histoire réelle hein, et inventant un certain nombre de fiction hein, autour de ce personnage qui est un dictateur d'opérette, magnifique, beau spécimen. Merci à tous deux, et c'est un ouvrage qu'on retrouve donc à la librairie, juste à côté, hein, c'est ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, si vous le voulez bien, on reste un quart d'heure ensemble, encore, pour ce passage en revue d'un certain nombre d'ouvrages qui sont ici et qui nous ont plu. Et on accueille donc Félicité, en tout cas ces deux auteurs, à qui je demande de me rejoindre, ainsi que leur lecteur, Jean-Marc Mollet, membre donc du comité de lecture aussi, et avec qui nous allons terminer, clore cet entretien. Bonjour. Alors, non, bougez pas, c'est moi qui me devais placer. C'était prévu comme ça, sauf qu'on m'a piqué mon tabouret. Voilà, hop, bon, on va faire comme à la maison. Merci. Jean-Marc, installe-toi. Bien, nous recevons donc, pour ce petit quart d'heure, Marie Wittenbach et Rémi... Kosonogov, ah oui, c'est la colle. Hein. Voilà, je me suis un peu trompé dans les auteurs. Jean-Marc, deux mots d'amour sur Félicité. Rapidement, qu'est-ce que tu... Je peux te demander ton avis quand même déjà. Bah donc, Félicité, donc, bah pour moi, le thème, c'est le droit d'asile. Donc c'est un thème qui est complètement en phase avec le... Ouais, mettez le micro bien comme il faut. C'est un thème qui est complètement en phase avec le thème du grand bivouac, hein, trop d'humains ou trop peu d'humanité. Donc c'est une bande dessinée. Bon, à la fois le texte, l'histoire et le graphisme, qui est l'œuvre de Marie, m'ont emballé. Donc rapidement, qui est Félicité ? Donc, jeune femme de bonne famille de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Elle a fait des études de droit et son avenir semble tout tracé. Elle commence sa carrière au service d'un homme politique. Et puis sa vie bascule, elle est jetée en prison car elle a appris des choses qu'elle n'aurait pas dû connaître. Elle réussit à quitter le Congo, atterrit à Lyon, puis arrive à Chambéry. Et donc ce que nous raconte cette bande dessinée, c'est bien sûr l'histoire de Félicité au Congo. Pourquoi elle est jetée en prison, comment elle arrive à quitter le pays. Mais c'est aussi, une fois arrivée à Chambéry, le véritable parcours du combattant que constitue une demande d'asile en vue d'obtenir le statut de réfugié politique. Parcours du combattant ou de la combattante, dans ce cas-là, à la fois sur le plan administratif, donc le montage du dossier de demande d'asile, sur le plan logistique, où est-ce que je dors ce soir, comment je fais pour me nourrir, comment je fais pour me rendre à la convocation à l'OFPRA à Paris. Et aussi, j'ai envie de dire, sur le plan émotionnel, puisqu'il faut raconter sa vie en détail, expliquer pourquoi on est en danger dans son pays, comment on a pu en partir, quels sévices précis on a subis, les lieux, les dates, l'heure précise, les noms. Car il faut convaincre d'abord le ou la fonctionnaire chargée d'étudier votre demande, puis convaincre la Cour nationale du droit d'asile que vous courez un réel danger si on vous renvoie dans votre pays. C'est donc l'histoire de Félicité qui nous est racontée. Cette BD a été conçue par trois personnes, toutes membres de l'ADDKS. Donc l'ADDKS, c'est l'Association départementale pour le développement et la coordination auprès des étrangers de Savoie.
C'est la DDKS qui est la structure qui est notamment chargée d'accueillir les demandeurs d'asile dans leur, d'aider les demandeurs d'asile dans leur démarche en France. Je vais juste signaler que le projet a pu voir le jour grâce à un financement participatif qui a connu un vrai succès puisqu'il y a 500 donateurs qui se sont manifestés. Donc je vous présente donc Marie Wintenbach qui est bénévole pour l'association, qui est graphiste professionnel, et puis Rémi Kosonogov, le directeur de la DDKS. Donc moi j'ai juste envie de leur demander, enfin peut-être demander à Rémi d'abord comment ce projet est né. C'est bien sûr en rapport avec votre travail à l'association. Alors on va peut-être montrer quand même d'abord le livre parce que c'est une BD. Voilà. Donc c'est Félicité aux éditions. Alors c'est de l'auto-édition. De l'auto-édition. On est des amateurs. Alors on a eu grand plaisir à faire ce travail, mais ce n'est pas notre travail. Hein. Et l'idée justement c'était de faire découvrir un peu ces rencontres. Et la dureté de la demande d'asile, trouver un nouvel outil pour présenter ça, pour l'expliquer, pour incarner aussi un peu ces rencontres. Parce que chacun d'entre nous, alors on est trois sur le projet, Adrien, qui est malade malheureusement, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, on accueille au quotidien ces personnes, et on voulait trouver une nouvelle façon de présenter ce travail, de présenter ces personnes, de présenter leur parcours et leurs difficultés. Donc il y a eu plusieurs idées, et puis c'est le projet BD qui s'est dessiné avec un tout petit projet. Au début, c'était 4 planches, et puis à l'issue de la quatrième planche... Pardonnez-moi, est-ce qu'on peut ouvrir la porte, s'il vous plaît? C'est important. Excusez-moi de vous... Voilà, ouvrez grand la porte. Hein. Il est important d'aérer les locaux. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte pleinement? Voilà, merci. Désolé. Oui, on a commencé par 4 planches, et ces planches, on les a montrées. Et souvent, les personnes nous disaient, mais qu'est-ce qui lui arrive après? Qu'est-ce qui se passe après? Et puis après, bon, on a continué cette histoire, c'est devenu un album d'une centaine de pages. Et puis même dans le financement participatif, il y a eu des ajouts, parce que dans ces systèmes-là, on invite un peu les gens à soutenir en disant, ben voilà, à tel palier va se passer ça. Et le palier ultime, c'était si on atteint tel niveau, il y aura une nouvelle d'un auteur mystère. Et à l'époque, l'auteur, il était mystère parce que nous-mêmes, on n'avait aucune idée de qui ce serait. Et c'est ensuite, quand on a atteint ce palier, on a demandé à une auteure qu'on a pu rencontrer par nos lectures et nos échanges, qui s'appelle Rosaine Lebert, qui a ajouter à cet album dessiné une nouvelle d'une petite dizaine de pages qui fait un contrepoint avec l'histoire dessinée. Hein, elle change de point de vue, la BD est plutôt le regard de Félicité, alors que la nouvelle se met plutôt dans la place de l'intervenant social qui rencontre, qui croise cette femme. D'accord, donc concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe justement quand on arrive demandeur d'asile en France, alors à Chambéry, pourquoi pas, mais ou ailleurs, puis peut-être nous repréciser le droit d'asile, le demandeur d'asile, le réfugié politique. Alors c'était l'idée aussi de la BD, c'était d'expliquer, de donner de l'information. Un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui cherche une protection. Alors on l'a vu tout à l'heure avec l'ouvrage Petit Go, nous, on voulait aussi commencer au-delà de la traversée, parce qu'on avait un certain nombre d'informations sur la traversée, mais on voulait donner des informations sur ce qui se passe à ce moment-là et les différentes étapes. Donc la première chose qu'on voulait illustrer, c'est que c'est pas simple du tout. Dès le premier moment, dès le premier instant, une des premières images, elle arrive à la gare, effectivement, à la gare de Chambéry. Alors, les Savoyards vont reconnaître la gare de Chambéry, mais ça pourrait être une autre gare en France. Et dès cet instant-là, c'est un peu le saut dans l'inconnu, et elle va chercher son chemin pour arriver à demander l'asile, à demander à l'État cette protection qu'elle ne peut pas avoir dans son pays. La DDKS est la porte d'entrée qui va être chargée effectivement d'accompagner ces personnes dans le dépôt de leur demande. Et on voit aussi toute la précarité qui peut être liée à ça. C'est le parcours de l'urgence, parce que les personnes en demande d'asile sont dans un parcours de l'urgence sociale. Donc c'est la cantine savoyarde, là aussi, pour ceux qui connaissent, ou le centre d'hébergement d'urgence à Albertville. Et puis ensuite, elle a été hébergée dans un CADA,
Hein, donc y a, là aussi, il y en a un qui est sur Albertville, là, le long de la voie rapide. Donc on voulait montrer tout ça en regard avec ce qu'il a amené ici et faire ces allers-retours entre une réalité difficile ici. Pourquoi elle est venue ici? Et là aussi, on retrouve ce qui se trouve dans Petit Gaud, c'est-à-dire que les personnes, elles ne sont pas dans un choix. C'est une obligation à un moment de partir parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Voilà, donc on voulait faire ça de façon aussi un peu intéressante, ludique, entre guillemets. On a inventé tout ce qui est dans le livre. Tout est faux, mais tout est vrai. Tout est vrai. Voilà, et tout est vrai parce que ce sont des extraits. Vous parliez de mosaïque tout à l'heure. C'est une mosaïque de toutes les rencontres des personnes venues de la République démocratique du Congo qu'on a pu accueillir, dont on a écouté les récits, on a recomposé tout ça dans une histoire qui est une histoire inventée, elle, mais tout est très vrai. Oui, parce que ce qui est très prenant dans l'histoire, c'est que pour faire une demande au droit d'asile, il faut prouver qu'on est en danger dans son propre pays, qu'on n'est pas protégé par les autorités de son pays. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans l'histoire, c'est qu'on explique à Félicité que le fonctionnaire qu'elle va rencontrer, bah d'abord, le fait qu'il soit sympa ou pas sympa, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est le convaincre. Il faut le convaincre avec des éléments précis. Ça veut dire que bah, Félicité, il faut qu'elle revive des sévices qu'elle a vécues, qu'elle donne des détails dessus. Et puis ça se passe comme ça, y compris quand son cas est étudié à la cour du droit d'asile. À un moment, la personne qui l'aide à préparer son dossier lui dit, de toute façon, pars de l'idée qu'on ne va pas te croire. Donc il faut que tout ce que tu affirmes, tu le prouves, tu donnes les noms, les dates, etc., etc. C'est fort. Enfin, ça aurait été fort dans un livre, mais c'est fort dans une bande dessinée. On va peut-être demander à Marie de répondre. Alors, c'est quoi la question? La question, c'est quoi du coup? Non, mais c'est juste que je trouvais c'est extrêmement fort de vivre ouais. ça, de vivre ça. Donc, c'est ton travail, enfin, toi, pas au quotidien, puisque tu... Non, moi, je suis un jour par semaine sur l'accueil des... Micro, s'il vous plaît. Je suis un jour par semaine sur l'accueil des demandeurs d'asile à Chambéry, mais... En l'occurrence, voilà. C'est pas mon travail, mais c'est un tas de publics que je rencontre et que j'accueille aussi, et avec qui on noue des liens et avec qui on approfondit et on découvre un petit peu l'arrière-plan de tout ce que... Et on le découvre aussi à travers les récits qu'on doit écrire pour les aider à formuler leur demande auprès de l'OFPRA. Donc on rentre vraiment dans le détail de leurs récits et de ce qu'ils ont subi. Et nous, on est dans cette position où on doit faire rentrer dans des cases françaises de l'administration traumas qu'ils ont vécu, des trucs qui sont complètement décalés et qui sont obligés, eux, de remettre le doigt dessus. Ils sont obligés d'aller chercher des choses qu'ils ont peut-être enfouies, des choses qu'ils ont repoussées, qu'ils ont voulu oublier. Et là, il faut qu'il y ait tout. Il faut que ça soit cohérent pour quelqu'un de français. Il faut que ce soit très logique. Donc, c'est un petit peu ça aussi qu'on a voulu montrer. C'est ce décalage entre un vécu. Donc, nous, on a voulu partir de montrer tout ce vécu. Qu'est-ce que c'est le trauma derrière? Et à la fois montrer tout à l'arrivée. Comment ça va pas ensemble et comment c'est impossible de faire vraiment bien coller l'un à l'autre pour une personne qui a vécu ça. Alors il faut peut-être rappeler, Jean-Marc, que c'est vous qui avez fait les dessins, qui êtes dessinatrice. Dessinatrice et la mise en scène, enfin, c'est un peu... Oui, on peut savoir comment vous avez travaillé justement. Alors comment j'ai travaillé? Comme créatrice. Dans quel sens? Vous avez travaillé, voilà, oui. On a en grande partie, on s'est inspiré. Il y a une bonne partie de l'histoire qui se déroule à Kinshasa et une bonne partie qui se déroule en France. Je pense à peu près moitié-moitié, peut-être un peu plus en France. On a énormément travaillé à partir de références photos pour toute la partie congolaise et avec l'aide de nos amis réfugiés et demandeurs d'asile congolais. Donc sur tous les détails de la prison, de l'intérieur, de comment tous les petits détails, l'arrêt de taxi, le nom des rues, on a fait énormément de recherches. Moi, je suis beaucoup baladée à Kinshasa avec Google aussi. On n'a malheureusement pas eu l'occasion d'aller se balader pour de vrai dans cette ville, mais on a vraiment pu chercher des détails avec nos amis et puis d'essayer de redessiner tout ça. C'était un vrai travail pas facile. Donc ça, c'est sur la partie congolaise. Évidemment, la partie française est plus acquise.